Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invité est. Voilà, c'est comme ça que nous commençons habituellement cet entretien, mais cette fois-ci, j'hésite à le dire car notre invité a écrit un monologue contre l'identité. Il n'y a pas de hasard, adapté pour un seul en scène avec Johanna Nizar au théâtre de l'atelier et bientôt en tournée à travers la France. Ce monologue, je peux le dire, n'y va pas de main morte contre cette saloperie, cette merde, je cite, qu'est l'identité, celle qui enferme dans des je suis, des communautés et des souffrances. Mais bon, comme il faut bien la présenter malgré tout, nous allons dévoiler son nom. Bonjour Delphine Orviller. Bonjour, bonjour, merci de cette invitation. Et bienvenue dans les médias de culture. Alors, comment dois-je vous présenter Delphine Orviller ah, j'adore l'idée qu'on puisse euh, dire est hey et trois petits points en fait. Euh... Je me demandais même s'il fallait donner votre nom. J'imaginais une émission où en fait on vous présenterait jamais et juste on aurait une discussion sur ce texte sans savoir qui l'avait écrit. Ah, j'adore, j'adore cette idée. Mais ce serait pas complètement possible parce que je crois que ce que vous venez de citer, par exemple, des phrases un peu exubérantes, euh, que l'identité est une saloperie, est une merde, je recite. En fait, ça n'a de sens que si on sait qui parle, qui est en train de parler. Bien sûr, les gens souvent le savent. Je suis rabbin. Euh, J'écris euh, des livres beaucoup sur la pensée juive, euh, je m'exprime souvent autour de cette pensée juive et, et bien évidemment ces phrases, elles sont audibles quand on perçoit. Où on sait qui les a prononcés et de quelle manière. Évidemment, il faut les entendre au second degré comme une critique un peu humoristique de ce qui nous arrive. Alors il y a quelque chose de très beau dans votre texte, Delphine Orvilleur, qui est donc adapté là pour un, pour un seul en scène au théâtre. Euh, dans ce texte, vous dites que le verbe être ne se conjugue pas au présent en hébreu. Il se conjugue au passé, on a été, au futur, on est en train de devenir. Mais alors <laughs> comment on fait en hébreu pour se présenter en fait, on, on oublie le verbe être au présent, on le gomme. Donc, on va dire je delphine, je grande, je petit. Et là, on enfin, voilà. complète comme on veut. Euh, on, en fait, on, on, est, on peut dire j'ai j'étais, j'ai été, donc inaboutis. de la même manière qu'on peut dire je suis en train de devenir, je serai. Mais effectivement, le verbe être suggère en hébreu, et c'est intéressant philosophiquement, qu'on est toujours en pleine mutation, qu'on est en transformation. Ce qui fait dire au personnage dans la pièce, de façon assez culottée, c'est vrai que l'hébreu, c'est la langue des trans. Mais ce que le personnage veut dire là, c'est qu'évidemment, en hébreu, il y a une incapacité à à se figer dans son identité, à dire je suis une fois pour toutes, voilà ce que je suis et qui je suis et rien d'autre. Est-ce que c'est ce qu'on fait quand on se présente à quelqu'un Est-ce qu'on est définitif quand on dit voilà qui je suis, voilà ce que je suis. Alors moi j'ai envie de croire que non. En principe, on devrait dire d'une certaine manière, la phrase devrait être euh, implicite, on devrait dire voilà qui je suis aujourd'hui, voilà qui je suis, ou ce que je suis au moment où je vous parle. Euh, ça a quelque chose à voir évidemment avec ce que j'ai été. On n'est pas ex nihilo, on n'arrive pas comme ça dans une conversation sans que notre passé, notre héritage euh, soit présent dans notre discours. Mais il faudrait toujours effectivement pouvoir suggérer qu'on n'a pas dit le dernier mot de soi-même. Et je crois que toute la problématique de l'obsession identitaire, et des carcans identitaires aujourd'hui, vient de ça que beaucoup de gens, quand ils disent ⁇ Je suis ⁇ suggèrent qu'ils ne seront pas autre chose d'abord et surtout qu'ils ne sont que cela. On entend de plus en plus de gens qui vous disent « je suis chrétien, juif, musulman, végane, femme. homosexuel, femme, etc. » Comme si cette identité excluait tous les autres éléments de ce qui les raconte, de ce qui les narre. Alors au contraire, on pourrait peut-être imaginer vous présenter Delphine Orvilleur comme euh, rabbine, autrice, euh, ex-étudiante en médecine, euh, euh, que sais-je, fille, mère, sœur Oui, mère de famille, ayant vécu à l'étranger, euh, euh, essayant de faire un régime, enfin... <laughs> Portant un t-shirt Dirty Dancing Pourtant un t-shirt euh, Dirty Dancing aujourd'hui Enfin euh, voilà en fait bon, Bien sûr je, je plaisante maintenant C'est pas fondamental dans mon identité Mais quand même tout ça d'une certaine manière Raconte ou en tout cas peut être un sujet Engagé dans notre discussion Je m'appelle Ajar Abraham Ajar Initial A A A uh. Mon père y tenait absolument. Il voulait que ma signature ressemble au commencement de tout. Ah, ah, faire comme s'il n'y avait rien eu avant moi. <laughs> Suggérer qu'on est l'alpha du monde, cacher l'origine, la tentative est louable, hein, bien sûr. Hein. Mais il n'y a rien à faire. Hein. On vient tous de quelque part et l'origine, elle vous rattrape toujours à la fin. Parmi tous les prénoms en A qu'il aurait pu choisir, par exemple Anatole, Albert, Adam, Arnaud, Alain, Alexandre, Alphonse, Ribot. Al Arthur, Achille, Adam, en bref. Mon père, qui ne manquait pas de ressources, a choisi Abraham, le prénom du père de tous les croyants. <laughs> tu connais l'histoire d'Abraham dans la Bible, non? Et dans la catégorie folie littéraire, à part mon père, on n'a rien fait de mieux. Hein. Voilà un extrait de votre texte, Delphine Orviller. Il n'y a pas de Hajar, qui est donc adapté, mis en scène par Johanna Nizar, qu'on a entendu interpréter. C'est assez, quand même une, une performance époustouflante parce qu'on la voit pendant 1h25 réciter tout votre texte pratiquement en entier et vraiment l'interpréter. Avant qu'on revienne peut-être à cette question, Delphine Orviller, un mot sur ce titre, Il n'y a pas de Hajar, Pour ceux qui ne connaissent pas... Ajar Émile Ajard, il faut peut-être nous expliquer qui il est. Oui, il faut effectivement connaître la clé littéraire ou liée à l'histoire littéraire de la France. En fait, la plus grande histoire d'entourloupe littéraire du XXe siècle, elle concerne un certain Romain Gary que beaucoup de gens connaissent. Souvent, les gens ne savent pas que Romain Gary n'est pas son vrai nom. D'ailleurs, il s'appelle mmh. Roman Katsutsuf. Il devient Romain Gary, une vie extraordinaire avec une capacité à se renouveler en permanence, être résistant, ambassadeur, réalisateur. Il fait mille choses. Et puis, à un moment donné. Romain Gary écrit sous pseudo, pas un seul pseudo d'ailleurs, plusieurs pseudos, mais le plus célèbre d'entre eux, c'est celui d'Émile Ajar. Et euh, donc voilà, on est à peu près. Le crée en 74. Oui, on, et, et euh, à peu près en 74 sort les premiers livres d'Émile Ajar. Il écrira quatre livres sous ce pseudo. Mais la grande histoire, c'est que euh, Ajar va, pour la vie devant soi, gagner le Goncourt. Or Romain Gary avait déjà gagné le prix Goncourt. On ne peut pas gagner deux fois le Goncourt. Donc à ce moment-là, il y a effectivement un moment incroyable, dramatique. Est-ce qu'on peut avoir deux fois le en l'ayant sous un autre nom. Euh, Jusqu'à la fin de sa vie, Romain Gary n'a pas révélé qu'il était hajar euh, euh, On l'a su à titre euh, posthume. Il y avait beaucoup, beaucoup de rumeurs, mais je crois que Romain Gary s'amusait beaucoup de cette entourloupe. Et notamment quelque chose que je trouve fascinant pour tout auteur, à vrai dire, cette idée que pas mal de critiques écrivaient à cette époque que les livres d'hajar ça, c'était quelque chose de la vraie littérature, mmh. contrairement à ces romans de gare de, euh, de Romain Gary. Je pense que c'est assez voilà, jubilatoire d'imaginer pour un auteur que sous un autre nom, il puisse ne pas être lui-même et complètement se réinventer. Alors, on l'a entendu dans l'extrait d'Elphine Horvilleur, le narrateur, narratrice justement, il y a une question, un flou autour du genre, dit qu'il s'appelle Abraham... Ajard, donc, il serait le fils d'Émile Ajar, lui-même une invention. Pourquoi avoir imaginé ce personnage Pourquoi avoir inventé, vous aussi Delphine Anvillard, ce personnage d'Abraham Ajar D'abord, parce que j'aimais l'idée de cette identité impossible. Abraham Ajar dit qu'il est le fils d'Émile Ajar. Donc, il est le fils d'un pseudo, le fils d'une invention littéraire. Ce n'est pas possible. A priori, on ne peut pas être le fils d'une invention littéraire. Mmh. Et donc, j'aimais l'idée qu'à travers ce personnage se pose une question que je trouve très pertinente pour chacun d'entre nous, à savoir... Est-ce qu'on est, qu est l'enfant de quelqu'un, l'enfant de nos parents biologiques ou adoptifs, ou bien est-ce qu'on n'est pas plutôt ou tout autant l'enfant des livres qu'on a lus, l'enfant des fictions qu'on nous a racontées, des narratifs qui nous ont construits, qui nous ont fait grandir Donc j'aimais cette idée de créer un personnage qui se dit le fils d'une certaine manière d'une invention, d'une fiction ou d'un livre, et assez vite, c'est imposé à moi euh, le prénom d'Abraham. Pourquoi Parce que Abraham c'est la figure du père dans toutes les religions monothéistes. Donc c'est un personnage qui incarne justement la filiation, l'ancêtre, le père de tous les croyants. Et il y a un petit élément que je trouve extraordinaire dans l'histoire biblique mmh. d'Abraham. Peut-être tous les auditeurs le savent pas ou s'en souviennent pas. Moi je ne la connaissais pas. Je ah, voilà, c'est oui. un détail biblique, mais souvent la, la culture biblique n'est pas très développée chez beaucoup de gens. Mais les gens oublient que l'histoire d'Abraham, de cet homme qui va devenir le père de tous les monothéismes, le père des croyants monothéistes, Abraham est un homme qui a quitté son père. Ou même plus que ça, qui a envoyé bouler et rejeté radicalement le monde de son père. Et je trouve assez surprenant, voire subversif ou humoristique, de penser que nos religions se sont choisies comme père quelqu'un qui a envoyé bouler le sien. Ça nous pose à tous la question de qu'est-ce que ça veut dire d'être un fils d'Abraham. Est-ce que pour être fidèle à Abraham, on ne devrait pas faire comme lui et l'envoyer bouler à notre tour C'est-à-dire, c'est la question de l'héritage fidèle, infidèle. Ça veut dire que vous remettez en cause la, la filiation Ça veut dire que... Je suggère qu'elle ne peut pas entièrement nous conditionner. En fait, on est les enfants de nos parents, on est les enfants de notre temps aussi. Parce qu'à l'école, quand on est à l'école, on arrive à l'école, on nous demande, euh, voilà, qui est ton père, qui est ta mère, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, et c'est presque comme ça qu'on se présente euh, aux au professeurs. Oui, mais on sait bien que dans tout récit, il euh, y a un élément d'abord de, euh, de, de réécriture. On pourrait dire mille choses sur nos parents. Pourquoi on va décider de les présenter de telle manière et pas de telle autre Pourquoi on va raconter d'abord une identité qui est la leur et pas telle autre, pourquoi est-ce que certains vont décider de raconter la religion de leurs parents et d'autres euh, la ville de province où ils ont grandi ou d'autres un élément euh, culturel Et puis, à l'école, on le sait bien, et c'est d'ailleurs un gimmick important dans notre pays, on dit euh, nos ancêtres les Gaulois, mais on accepte tous d'une certaine manière ce narratif, certains le remettent en question, mais aucun de nous... Qui adhérons à ce narratif n'y croient euh, littéralement, nous y croyons littérairement, j'ai envie de dire. En fait, on est euh, des, des êtres créés, je le dis dans, dans le livre, par euh, procréation littérairement assistée. En fait, on est créé par l'histoire, on, se fabrique. Des histoires, on hmm. se fabrique. Et c'est pas anodin de dire nos ancêtres les Gaulois. J'ai pas besoin de croire que mes ancêtres sont vraiment les Gaulois pour reconnaître qu'il y a dans ce narratif quelque chose, une histoire qui me construit. Euh, qui m'interroge et qui parfois m'oblige. Mais il y a une différence à faire, Delphine Orviller, entre la filiation qu'on peut se recréer et l'identité, où là, pour le coup, vous vous en prenez à elle de manière assez euh, véhémente. Alors, est-ce que c'est votre voix, vraiment, Delphine Orviller, d'ailleurs, dans ce texte Est-ce que c'est vous Ou est-ce que c'est un narrateur qui vous ressemble, Abraham Ajar Est-ce que vous rêveriez d'être justement ce personnage <laughs> de fiction qui peut dire que l'identité, c'est de la merde Voilà, est-ce que vous en voulez à l'identité pas tout à fait oui. par le... oui. que la Alors, Je vous remercie de me poser cette question parce que beaucoup de gens ont cru que c'était vraiment ma voix, que c'était mmh. tout moi, que Abraham c'était mon clone ou une version de moi. Mais en fait pas du tout. La raison pour laquelle j'ai écrit ce livre de cette façon avec un personnage que j'ai créé et pas en prenant la parole à la première personne du singulier, c'est que ce n'est pas moi qui parle et c'est la force du récit que de pouvoir inventer un personnage qui est beaucoup plus en colère que je ne le suis. Beaucoup plus virulent et euh, beaucoup plus. Euh, de mauvaise foi de, aussi. Oui, je l'espère. <laughs> oui, alors. De euh, que, grande mauvaise foi. Mais Moselle... c'est vrai qu'à travers ce personnage, il m'importait de tirer le trait un peu plus loin de choses qui sont effectivement des choses que je conteste dans la société d'aujourd'hui. Mmh. J'ai l'impression que oui, nous sommes pris en étau dans des exacerbations, des obsessions identitaires qui viennent de lieux très différents, parfois de, de sphères politiques, parfois de sphères religieuses. Religieux. On sait le poids qu'a aujourd'hui le fondamentalisme et les obsessions identitaires religieuses et fanatiques dans nos sociétés, mais on voit aussi d'un point de vue politique euh, de bien des, des, des sphères politiques différentes, d'ailleurs, des discours d'obsession identitaire qui, a priori, disent l'une et l'autre l'inverse, mais qui sont tout aussi problématiques. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on vit dans une société où il y a des gens qui ont très envie de définir leur identité comme étant un pur héritage, c'est-à-dire qu'on serait fidèle à une identité en reproduisant l'histoire de nos origines, de nos grands-parents parents, de nos arrière-arrière-grands-parents, en ne changeant rien à notre naissance. On serait conditionné par notre naissance et notre héritage. Et puis, d'un autre côté, on a des gens qui sont obsédés par des définitions identitaires ultra-individualistes et qui vous disent « nous ne sommes que ce que nous ressentons, que notre désir, que ce que nous sentons et percevons de nous-mêmes, nous voulons être ». Et je crois que ce n'est pas vrai non plus. Je crois que nous sommes toujours… Nous ne sommes pas notre naissance, mais nous ne sommes pas non plus notre désir, nous ne sommes pas la pure invention de nous-mêmes. Si je devais le dire en une phrase, je dirais que nous sommes ce que nous faisons de notre naissance. Voilà, j'allais vous poser la question Delphine Ordinaire, alors qu'est-ce qui reste Voilà, Qu'est-ce qu'on est, qu est si on n'est pas notre origine, si la filiation on peut la fabriquer, si l'identité en fait ça nous enferme, est-ce qu'on peut vivre c'est une vraie question, est-ce qu'on peut vivre en se passant de se dire tous les matins je suis cette personne qui va aller travailler, qui doit assurer tel engagement, qui une personne dont on attend des choses, qu'on regarde d'une certaine manière euh, je crois qu'on ne peut pas faire sans ces repères, mais on peut toujours faire en les interrogeant et en les mmh. questionnant, en se posant la question de ce qu'on leur doit, de quelle manière ils nous émancipent ou de quelle manière, au contraire, ils nous aliènent. Il y a toujours une euh, phrase de Romain Gary, encore lui, que je cite, je l'ai mis, je crois, en exergue d'un de mes livres précédents. Euh, Romain Gary a écrit euh, dans un de ses livres où il signe Émile un livre qui s'appelle Pseudo il commence en, di en disant cette phrase J'ai tout fait pour me soustraire. « Mais il n'y a rien à faire, on est tous des additionnés ». J'adore cette phrase. Je trouve qu'elle dit très bien la problématique de chacun d'entre nous. Il y a bien des moments dans l'existence où on rêve de se soustraire, de se soustraire au poids des héritages, de se soustraire à tout ce qui nous conditionne, de s'imaginer qu'on va pouvoir complètement se réinventer ou faire du passé table rase. Mais ce n'est pas possible, parce que nos vies portent une addition, mmh. ou un produit, je ne sais pas, de ce qu'on nous a donné, de la langue qu'on nous a enseignée, mais aussi de notre possibilité de la twister, cette langue, de la parler un tout petit peu autrement, de lui être infidèle. Moi, j'y pense beaucoup aujourd'hui euh, dans mon rôle de mère, c'est vrai, avec mes enfants, je me rends compte que je leur ai transmis plein de choses qu'ils ont interprété autrement, qu'ils ont un peu dévié. Je leur ai appris le français, ils parlent français, mais ils ne le parlent pas tout à fait comme moi. Euh, et je trouve ça fascinant, par exemple, le fait qu'à chaque génération, euh, on altère un peu l'usage des mots, euh, chaque génération les détourne un peu. Euh... Vous critiquez d'ailleurs beaucoup cette notion de pureté, c'est-à-dire de l'idée qu'il y aurait une sorte de fixité ou de fidélité euh, pure, inaltérable. Hein. Oui, parce qu'en fait, tout ça, c'est un mensonge. Les gens qui sont dans des narratifs de pureté euh, mentent et souvent... Euh, alors alors parfois en faisant preuve de mauvaise foi, mais parfois avec vraiment des mauvaises intentions. On le voit dans bien des domaines. Dès qu'on est dans un narratif de pureté, en général, soit on n'a rien appris de l'histoire, soit oui. on a vraiment envie d'enfermer euh, euh, quelqu'un dans un carcan. alors On pourrait parler dans le monde religieux des effets dévastateurs du discours de pureté sur euh, la liberté des corps, sur la liberté des croyances et sur la liberté des femmes, bien évidemment, qui sont toujours les premières victimes de ce discours de pureté. Quand on commence à parler de pureté dans la pensée religieuse, vous pouvez être sûr qu'au coin de ce discours, il y a un, une aliénation des femmes. Donc il faut fuir à ce moment-là. Il faut stopper la conversation et il faut ramener les gens à l'histoire avec un grand H. Bien souvent, ce que les gens considèrent comme étant purement leur tradition, euh, purement leur rite, il est bon de leur rappeler que ces rites et ces traditions sont le fruit d'une évolution, sont le fruit d'une rencontre de leurs ancêtres avec des civilisations autres. En fait, nos pensées religieuses, ça a beau ne pas plaire à nos fondamentalismes, elles sont véritablement le fruit d'une altération. C'est-à-dire, comme son nom l'indique, elles ont rencontré une altérité, un autre. Quelqu'un ou quelque chose qui les a fait évoluer, qui les a bouleversées. Et c'est vrai, sans aucune exception, de toutes nos traditions religieuses. En fait, je vous mets presque au défi de trouver une tradition religieuse ou un rite qui n'aurait pas été d'une certaine manière modelée ou adaptée à une rencontre, c'est-à-dire métabolisée, fertilisée par une rencontre avec quelqu'un d'autre. Moi, je peux en donner mille exemples dans ma tradition juive, mais c'est vrai du christianisme et de l'islam tout autant. Mais alors pourquoi on, inv on invoque la pureté, justement À quoi ça sert d'invoquer euh, cette notion-là Parce que le discours de la pureté euh, va de pair avec un discours d'authenticité. Euh, et donc, beaucoup de gens s'imaginent que l'enjeu aujourd'hui, c'est d'être authentique. D'être authentiquement soi. Euh, tendez l'oreille, c'est vrai partout, en fait, euh, politiquement, religieusement. C'est un discours qui obsède beaucoup de gens. Et peut-être que c'est renforcé. Euh, peut-être voilà, parce qu'il y a eu aussi pas... des mensonges, des faux semblants, qu'on a besoin en fait, de savoir à qui on parle, euh, qu'il y a eu aussi tromperie, et que la garantie de l'authenticité, c'est aussi un. C'est rassurant. Voilà. Oui, c'est rassurant, et c'est d'autant plus rassurant quand on est dans un temps de crise, mmh. quand on est dans un temps de flou sur l'avenir, de changement de civilisation. Enfin, je pense que vous en parlez sans doute souvent autour de cette table. Il y a tout plein de choses qui tentent de nous rassurer aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas exactement vers où on va. Mais ce qui problématique, et moi j'en ai fait l'expérience mille fois, vous vous en doutez comme femme euh, rabbin engagée dans une pensée religieuse plutôt progressiste, c'est que les gens ont une fâcheuse tendance à considérer que plus vous êtes euh, dans un rapport, on va dire, dans une... Orthodoxie ferme ou un fondamentalisme affirmé, plus vous représenteriez une forme euh, d'authenticité religieuse. Vous voyez, je compte pas le nombre de fois où, dans une interview, des gens vont me demander mais finalement, vous, comme femme rabbin, progressiste, vous représentez qui euh, C'est quoi votre authenticité Mais j'entends beaucoup plus rarement ces mêmes personnes demander, pardon du détail physique, à quelqu'un de plus barbu que moi, euh, si sa pratique, son rite ou sa croyance est authentique. C'est vrai dans toutes les religions. On a tendance à considérer que la voix euh, la plus orthodoxe serait la plus authentique et la plus autorisée, alors que ce n'est qu'une voix parmi d'autres. Il est formidable qu'elle existe, cette voix, mais elle n'en est qu'une parmi d'autres. Et nos traditions ont toujours parlé des voix plurielles. Euh, bonjour. 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 Euh, le bureau du rabbin, s'il vous plaît. Alors vous allez tout droit et c'est à droite. Merci. Je vous en prie. Merci. En gros, si j'y vais, je vais à fond et qu'un jour je. Je regrette. J'ai envie de revenir. Comment ça se passe Il y a un numéro, on appelle un... <laughs> un service à <laughs> se présente. Euh, tu pourras pas revenir parce que tu pourras pas partir. La maison juive, je crois que tu peux chercher la sortie, mais personne n'a jamais trouvé. On ne sait pas à quoi ça tient la maison juive. Tu vois, les juifs, ils habitent depuis des milliers d'années dans une maison un peu cassée un peu bancal, ça fait 2000 ans qu'il se raconte que le temple est détruit, ça fait tellement longtemps que Moïse, il a cassé l'étape de la loi, à chaque fois qu'il se marie, il pète un verre, à chaque fois qu'il y a un bébé qui vient au monde, eh ben, on lui retire un petit quelque chose. En fait, la maison vieille, c'est une maison un peu bancale. Mais en fait, ce que je te dis là, tu le sais très bien, tu le sais très bien parce que tu sais que t'es es cassé. Un extrait du film de Gad Elmaleh qui date de 2022 reste un peu. On vous y entend, Delphine Orvilleur, en fait interpréter pour le coup votre propre rôle. C'est votre voix, vous auriez pu dire ça Alors en fait, ça s'est passé totalement autrement. C'est que Gad m'avait demandé effectivement de participer à son film. Mais moi, je ne suis pas comédienne, je ne suis pas actrice. Mmh. Donc je lui ai dit, je ne peux pas faire ça. Je joue mon rôle. Euh, je, alors je, je lui ai dit, on va procéder complètement autrement. <laughs> tu vas venir à mon bureau à la synagogue et toquer à la porte. Tu as une question à me poser, tu vas me poser la mmh. question. Et il n'y a pas de script, il n'y a pas de texte. Et moi, je vais te répondre comme je te répondrais si tu venais, s'il n'y avait pas de caméra. Et donc, on a fait une scène comme ça, filmée. Donc, il n'y avait pas de texte. Hein. C'était une vraie question, une vraie réponse de rabbin. Alors, dans ce film, Gadel Elmaleh fait part de son désir de quitter la religion juive. Et il vous pose la question à vous, Delphine Orvilleur, et vous lui répondez, tu ne peux pas euh, véritablement quitter cette religion. Alors, comment on peut articuler cette idée de, de, de s'échapper d'une religion, de ne pas pouvoir s'en échapper avec l'idée de se réinventer <laughs> euh, alors là, c'est un peu particulier parce que ça me force à parler davantage d'identité juive. Euh, Peut-être qu'il y a des traditions euh, où on peut fermer la porte et aller ailleurs et se réinventer ailleurs, mais c'est un peu plus compliqué dans la tradition juive pourquoi. parce que le judaïsme contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, n'est pas une religion, ou en tout cas n'est pas qu'une religion. Il y a beaucoup de gens qui vont se définir comme étant très juifs euh, et ne croyant en rien, ne croyant pas en Dieu, se définissant comme totalement athée, mais faisant partie d'une culture ou étant porteur d'un certain héritage ou ayant un rapport particulier à leur histoire. Et donc, on n'est pas dans la définition d'un dogme, d'un héritage religieux. Donc, c'est très compliqué de sortir du judaïsme, précisément pour cette raison, parce que... Dans l'histoire, il y a eu beaucoup de gens pour qui leur judaïsme est passé. Ça va sembler paradoxal. C'est comme un énoncé complexe et paradoxal. Le judaïsme de beaucoup de gens est passé par un questionnement de leur authenticité. C'est-à-dire que de façon paradoxale, c'était précisément au moment où les gens se disaient peut-être que je suis pas un bon juif, peut-être que je suis pas un juif comme il faut, peut-être que c'est pas exactement là qu'est ma place. C'est dans ces moments-là. D'une certaine manière, que leur judaïsme se réveillait le plus fortement, comme si la condition juive et l'identité juive étaient toujours une, espèce, une certaine façon de ne pas être complètement soi, de ne pas être complètement sûr d'être légitime ou d'être à sa place ou d'être complètement un insider. Il y a plein de gens qui seraient en désaccord avec ce que je viens de dire maintenant, des gens qui vivent sans doute leur identité juive de façon peut-être plus euh, traditionnelle, euh, peut-être plus orthodoxe dans leur pratique. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très partagé dans le monde juif. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que ce n'est pas une croyance, mais c'est comme ce que je crois Derrida a dit un jour. Une façon de pas être complètement soi, de pas être sûr d'être complètement à sa place. Et donc, quand Gad Elmane vient de me demander mmh. si, en questionnant sa place dans le judaïsme, il cessera d'être juif, moi j'ai envie de lui répondre que c'est peut-être à ce moment-là qu'il est complètement à la maison, quand il n'est pas complètement sûr d'être chez lui. Donc là, il y a une vraiment une adéquation entre la religion juive et ce questionnement sur l'identité. Est-ce que c'est un questionnement qu'on peut avoir? indépendamment de cette religion-là, ou même j'ai presque envie de vous demander, Delphine Horviller, moi qui ne suis pas juive, si finalement on ne peut pas adhérer à cette religion parce qu'on se pose cette question-là, en fait. Est-ce qu'on ne peut pas partager ces traits-là parce que ces questions-là nous viennent en tout cas, on peut entrer en dialogue, même si on n'est pas juif, mmh. avec la pensée juive en toutes circonstances. À chaque fois qu'on se pose la question, vous avez l'idée centrale du judaïsme, elle est très simple, elle est connue de tous, c'est le récit de la sortie d'Égypte. Donc je pense que quiconque, à un moment donné dans sa vie, se pose la question de l'aliénation, qu'on pourrait appeler l'Égypte, de l'enfermement, et se demande comment il va se mettre en route vers sa terre promise, on pourrait dire qu'à ce moment-là, il entre en débat avec de la pensée juive sans nécessairement euh, devenir juif. Mais, mais je crois que cette interrogation sur euh, la la sédentarité, finalement, ce dont on parle depuis tout à l'heure, mmh. le fait de se sentir complètement à la maison ou pas, il est présent dans bien d'autres traditions religieuses. On n'a pas besoin d'aller explorer le judaïsme pour ça. Vous voyez, je pense souvent à la question de, des figures clés ou des textes clés des autres religions monothéistes. Je pense que euh, le personnage de Jésus, par exemple, dans le christianisme, est quand même un personnage qui, par excellence, rompt avec sa filiation. Jésus est né quelque part, mais son père n'est pas vraiment son père ou son père est un autre père. Donc, en fait, d'une certaine manière, comme Abraham, il rejoue la scène de la mise en route à partir de sa filiation pour s'engager sur un autre chemin. Et je pourrais dire la même chose de Mahomet, du prophète Mahomet. Oui. En fait, les musulmans comptent le temps, c'est tout de même assez extraordinaire, à partir de l'égir, c'est-à-dire à partir du moment où Mahomet s'arrache à un lieu pour se mettre en route. En fait, toutes nos religions monothéistes racontent l'histoire de héros qui d'une certaine manière se séparent d'une origine pour aller vers un ailleurs. Mais ce qui est troublant, c'est que ceux qui aujourd'hui parlent en leur nom et affirment souvent qu'ils sont les voix autorisées et mmh. authentiques de ces traditions sont des gens qui vous disent attention, faut pas bouger de la maison. Comment on fait alors pour se sentir chez soi sans être dans l'identité en ayant une filiation, ce sentiment en fait à... comment cohabiter avec une étrangeté en soi tout en S'entend chez soi euh, Alors, il y a sans doute plein de. C'est presque qu une, une question oui. de, 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 de vie quotidienne, là, hein. de, alors, de, même de survie, je dirais. Oui, mais... je pense que c'était une question de Feng Shui, dans d'organisation <laughs> de sa maison. Mais j'ai si, envie de vous révéler, je ne mode un peu, pas de la décoration. Hein. Feng Shui. Il <laughs> euh, y, a, y a une formule euh, Feng Shui, on va dire, ah, bah, juive, <laughs> pour ça, euh, qui, en, qu en tout cas, moi, je trouve très inspirante. Dans la tradition juive, quand on construit une maison, on est censé. Euh, Laissez toujours un mur pas complètement peint, un carrelage euh, pas encore placé ou une fêlure dans le mur qu'on n'a pas eu le temps de colmater. Pourquoi Parce qu'il faut toujours symboliquement habiter un lieu qui n'est pas fini. Il faut s'efforcer. D'habiter l'infini dans tous les sens du terme, et il y a quelque chose de dangereux comme une mise en garde à s'imaginer que notre logis, notre foyer, euh, a lui aussi dit son dernier mot. Il faut laisser de l'infini dans nos vies, donc je dirais que c'est peut-être comme ça qu'il faut toujours construire sa maison. C'est en résonance avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le verbe être on n'est pas une bonne fois pour toutes, donc là, c'est de la même manière on n'habite pas. Définitivement dans cette maison. Oui, c'est la même idée, c'est l'idée dont je parlais dans cet extrait que vous avez diffusé aussi avec Gad de, de la cassure de la maison juive, mais qui en fait qui raconte notre cassure humaine à tous, bien au-delà du, du judaïsme. Je pense que on devient beaucoup plus fort quand on se sait ultra vulnérable, quand on se sait cassé, bris, brisé. Je pense qu'on est en danger dans la vie quand on a l'impression qu'on est totalement colmaté, quand on fait un. Quand il y a quelque chose en nous d'un peu trop construit, en fait, on a désespérément besoin, je crois, de de ces failles qui créent en nous du jeu, au sens presque de bricolage, c'est-à-dire du jeu entre vous de deux, deux portes, quelque chose qui qui colle pas bien, quoi. Voilà, quelque chose qui est pas complètement un pas colmaté et qui donc, comme dans les petits jeux qu'on jouait quand on était enfant où il fallait qu'il y ait un trou pour pouvoir bouger les petits carrés, je ne sais plus comment ça s'appelle ce jeu. Je trouve qu'il faut voilà tout le temps s'assurer que dans le jeu de notre existence, il y a un petit espace où on peut on peut encore faire basculer les morceaux. Le prix Goncourt 1975 a été attribué au huitième tour à M. Émile Ajar pour son roman intitulé La vie devant soi. Que croyez-vous qu'il va devenir des Ajar Tout ce que je voudrais, c'est qu'il continue à écrire. On a parlé de rewriting à propos du livre d'Émile Ajar. Merde, merde, merde et merde. Okay. Re -re J'étais pas tellement bon comédien, parce que là on retrouve euh, la force des créateurs, c'est que la fiction a un pouvoir réellement, je dirais moi, excessif. Quand les gens m'interrogeaient, ou quand ils voyaient Aja dans moi, il n'était même pas question d'être un bon comédien. Ça suffisait, j'étais une image qui marchait, et ils arrivaient avec leur certitude. Je ne veux pas dire qu'ils étaient des couillons. Je dis simplement que la fiction de qualité suffisait. Un ensemble d'archives de 1975 euh, et aussi de 1980, au moment où euh, a été dévoilé le subterfuge, c'est-à-dire que Émile Ajar, c'était en fait Romain Gary. J'aimerais qu'on revienne sur cette idée d'Elphine Norviller pour la fin de l'émission, parce que dans ces archives, ce qui est frappant, c'est le pouvoir de la fiction. Et ça, c'est une idée très importante dans votre monologue et qui peut parler à tout le monde. C'est la manière dont on peut à la fois se fabriquer une identité, mais dont les livres, en fait, nous fabrique cette identité. Est-ce que c'est le rôle que Romain Gary a joué pour vous Est-ce qu'il a fabriqué quelque chose, peut-être pas de votre identité, pardon, mais de vous en fait Oui, j'en ai la conviction. Le mot que j'utilise souvent, c'est un mot en, en yiddish, c'est que j'ai l'impression qu'il est un book personnel. Vous savez, le dibouk, c'est c'est comme un fantôme, mais littéralement, ça veut dire en, en hébreu quelqu'un qui vous colle à l'âme ou qui vous colle à la peau. J'ai l'impression qu'il me rend visite très souvent euh, à travers des livres. Euh, il est tout à coup, il surgit de bien des manières dans ma vie, parfois c'est plus ou moins surnaturel mais je vais passer maintenant vraiment pour une euh, pour, pour une folle, mais il, il surgit à des dates clés, comme ça tout à coup euh, j'ai l'impression que euh, je tombe sur un texte de lui qui vient répondre à une problématique que je... mais ça nous est tous arrivé, en réalité pas juste avec Romain Gary heureusement, on a l'impression que tout à coup les livres ou les textes ou parfois des articles ou quelque chose qu'on entend, ou une émission de radio je sais pas, vient à un moment donné nous parler rien qu'à nous répondre à une problématique qui n'est que la nôtre, à un temps, à un moment précis. Et, euh, et voilà, j'ai la, la conviction que les livres nous construisent, qu'ils ont un rôle parfois de parents dans nos vies, euh, parfois ils ont un rôle aussi de médicaments ou thérapeutique. Il y a quelque chose qui, dans la littérature, vient euh, euh, nous soigner, nous fait grandir. Entendons-nous bien, ça ne veut pas dire que tous les livres font du bien. Il y a des livres peut-être qu'il faut pas lire. Il y a des livres qui ont fait du mal dans l'histoire, mais en tout cas, les livres, voilà, si je devais le dire simplement, ont un pouvoir de construction massive ou de destruction massive, mais ils sont jamais, euh, ils sont jamais neutres. C'est pour ça que détruire les livres, les autodafés, euh, c'est toujours ce qui précède les grands crimes contre l'humanité, parce que euh, en fait, tout le monde perçoit, parfois même sans le savoir, que qu'il y a. Une, que les livres sont comme euh, euh, des, des, des réserves, des refuges de l'humanité en nous. Est-ce qu'on prend forcément conscience de, de ces livres qui nous forgent C'est-à-dire que Romain Gary, pour vous, c'est assez clair, mais est-ce qu'il y a des livres qu'on lit qui vont résonner en nous sans qu'on s'en rende compte, qui vont nous habiter, mais on n'arrivera pas à savoir d'où vient l'idée On a parfois le souvenir d'une page sans souvenir de l'auteur. Il y a quelque chose de très flou, en fait, dans cette filiation qu'on se construit oui, c'est assez fou. La première chose qui me vient à l'esprit quand vous parlez, c'est l'impact des contes sur nos vies, mmh. tout ce qu'on nous a raconté quand on était enfant. Euh, moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça au moment où j'écrivais il y a quelques années euh, euh, En tenue un livre sur les, le féminin et la pudeur, le corps des femmes. Euh, je percevais évidemment, à ce moment-là, j'avais des enfants en bas âge à qui je racontais tous les soirs euh, les plus beaux contes de nos traditions, que ce soit, euh, je ne sais pas, euh, La petite sirène, euh, Peau d'âne, euh, Réponse et tant d'autres. En fait, évidemment, tous ces contes, qu'on raconte à nos enfants et qui sont magnifiques, racontent presque tous un féminin domestiqué, un féminin enfermé dans les profondeurs de la mer ou dans les hauteurs d'une tour ou à l'intérieur d'un château et qui est en danger quand il sort à l'extérieur et qu'il a une voix publique ou alors carrément dans l'histoire de la petite sirène qui perd sa voix. Et en fait, on est obligé de se poser la question de l'impact de ces contes. À partir du moment où vous percevez que ces contes créent un référent féminin ou masculin d'un certain type dans nos vies. Après ça, vous avez plusieurs choix devant vous. Vous pouvez décider que vous arrêtez de les raconter, que vous voulez rien avoir à faire avec ces constructions-là, littéraires. Mais moi, je ne suis pas en faveur de cette solution parce que que ça nous plaise ou non, on est dans des civilisations où ces histoires nous ont construit et continuent de nous construire, mais par contre, je pense qu'on a des outils à notre disposition pour continuer à raconter ces histoires mais donner aux nouveaux lecteurs des outils critiques pour les lire, Alors, contextualisation. Ce serait des outils critiques à part comme par exemple Disney qui va euh, voilà prévenir ses spectateurs que ce dessin animé a été fait à telle époque ou ce serait au contraire carrément réécrire les contes eux-mêmes. Non, je sais pas, je dirais quelque chose de plus subtil, c'est-à-dire engager des conversations peut-être avec nos enfants sur la place de la contextualisation historique c'est vrai en fait de dire de, de discuter moi je le fais souvent avec les miens aujourd'hui ils sont un peu plus âgés mais essayer de comprendre dans quel contexte ça se passe qu'est-ce que le féminin vient raconter dans cette histoire qui n'appartient pas qu'aux femmes en fait quand on décrit un féminin dans sa vulnérabilité par exemple ça devient intéressant à mon sens quand on commence à dire que il appartient à tout le monde en fait, les femmes n'en sont pas uniquement les propriétaires. Et là, la conversation devient beaucoup plus intéressante. Mais c'est vrai que ça oblige à être tout le temps dans, un, un, dans une addition de, de regard critique sur, sur nos lectures. Mais c'est vrai que moi, je crois au dialogue avec les livres. Alors, ça va passer pour moi par des petites manies qui énervent beaucoup de gens, mais je les revendique, c'est les miennes. Je ne peux pas lire un livre sans stylo. Par exemple, je, je ne sais pas lire un livre sans stylo. C'est vraiment... Je, pour écrire, pour noter je, je, je mets des notes, dans, je souligne, euh, j'écris des notes dans les marges. Euh, ça énerve beaucoup de gens parce que si vous allez dans ma bibliothèque, tous les bouquins sont... Gris Mais bouillons. ça vous énerve pas vous-même parce que quand on retrouve un bouquin comme ça qu'on a annoté, généralement on trouve que ce qu'on a dit en marge était stupide. Absolument, mais c'est ça qui est fascinant. <laughs> c'est vrai qu'on n'est plus le même en fait trois ans après. On se dit, parfois on se dit c'était stupide, pourquoi tel passage m'a plu, mais parfois au contraire on se dit, et ça arrivé encore très récemment, je me dis mais c'est troublant parce que je comprenais ce passage il y a quelques années, mmh. clairement puisque je l'ai souligné, et aujourd'hui je vois plus du tout ce qu'il veut dire. Comme quand on se réinvente soi-même, parfois même sans le décider, c'est-à-dire que les années passent et on voit bien qu'on est en décalage par rapport à une phrase ou, ou à un état. Oui, ça veut bien dire que le livre, il a une vie. Telle Incroyable qu'il va nous parler à un temps de notre mm -hmm. vie et puis plus le lendemain et puis à nouveau le surlendemain. J'ai une euh, dernière question, Delphine Orviller. Si vous deviez prendre un pseudo, ce serait quoi <laughs> C'est extraordinaire. Je ne sais pas, une fois j'ai lu qu'il fallait choisir comme pseudo, euh, comme prénom, le nom de son chien quand on était petit et comme nom de famille la rue où on habitait. Alors le mien, j'ai <laughs> dorénavant Opus Colbert. Ben on saura tout. Merci. Euh, du coup, Opus Colbert, c'est ça oui, j'avais un cocker magnifique. Bon, alors, je, je, vous, je vous remercie de cette manière-là, Delphine Orvilleur, de vous. On peut donc lire Il n'y a pas de hasard, monologue contre l'identité. C'est disponible chez Grasset. On peut le voir adapté sur scène au théâtre de l'atelier à Paris dans une mise en scène de Johanna Nizar et Arnaud Aldiger. Il faut bien le dire et je ne l'ai pas assez dit. C'est jusqu'au 1er octobre 2023. Puis ce sera en tournée dans toute la France jusqu'à fin mai 2024. Pour finir, Delphine Orvilleur, non pas votre pseudo, mais vous avez le choix entre une chanson. Qui, qui évoque un nom ou une chanson qui n'évoque pas de nom De nom N O N ou de nom N O M, -M. -M. Eh ben évoquons évoquons les noms, faut toujours pouvoir nommer. Dis-moi d'où il vient. Enfin, je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin. Qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa! Dis-moi où es-tu caché? Ça doit... Faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts et hey goûter, papa, où t'es... Merci donc à vous, Delphine Orviller, et un grand merci à l'équipe des Midis de Culture qui sont préparés par Aïssa Touendoy, Anaïs Sisbert, Cyril Marchand, Zora Vigné, Laura dutech pérez et Manon de la Selle. À la réalisation, Félicie Fogère et Nicolas Berger. Prise de son, Ruben Carmazine. Pour écouter cette émission, eh bien rien de plus simple, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Midis de Culture. Merci Nicolas, à merci demain. Gérardine, à demain.